j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Celle-ci sera un énorme retour de course pour le mois d'avril. Je vous lance un pronostic. Dites-moi dans les commentaires pour combien de temps on va tenir pour une famille de 5 personnes, sachant que Cassie commence sa diversification alimentaire. Et avant que je me fasse critiquer et tout ce qui s'ensuit, de toute façon ça ne m'atteint pas. Pour la diversification à Cassie, vu que j'ai eu des soucis avec Cécilio, tout ce qui était... repas maison au tout début faisait des réactions allergiques, donc du coup j'ai pris les petits pots 4-6 mois pour commencer. Et de toute façon je vais vous montrer. Et c'est parti, je vous montre. J'ai tout étalé sur ma table parce que là c'était un big. Il y avait, je sais pas, il y avait combien de sacs à peu près, une vingtaine, au moins une vingtaine j'ai l'impression. On a fait livrer cette fois-ci, bah, vu que la voiture est toujours en panne et que dans la voiture de prêt, donc le Duster, pas tout rentre là. Je disais dans le Duster pas tout rentre ce que j'ai pris. Vivement ma grosse voiture pour faire mes grosses courses, ça me manque. Donc voilà, c'est parti, je vous montre. Du coup pour le surgelé, j'ai pris 30 boulettes de viande, ce qui va faire 2 repas, 8 cordons bleus, des pommes de terre rissolées pour faire avec des œufs en omelette. Des poissons panés, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire le retour de course? De l'eau de 15 bâtons de poissons panés. Des 2 paquets de potatoes et 2 paquets de frites allumettes parce qu'il n'y avait pas de filet de patates dans le drive. 2 paquets de nuggets 500 grammes. Si vous verrez bien, il y a une Nutri-Score B, vous ne pourrez pas me prendre la tête. Après, j'ai repris 2 paella, ça c'est pour les midis, ça va super vite. En surgelé, j'ai pas pris beaucoup parce qu'il nous restait de la viande. Donc, je le range et j'arrive. Ensuite, j'ai repris 10 fromages fondus pour faire des croques McDo. On a prévu 2 mozza pour des salades et pour des panini. J'ai pris un paquet de... Bon, là, vous voyez quand même une fois, mais il y a dans un autre sac, il y a même plusieurs fois. Un lot de 4 nems au porc pour faire un repas asiatique. Un lot de bœuf. Voilà, un paquet de tortellini, ça on en a toujours un dans le frigo. 3 paquets d'allumettes de lardons. Il y a une quiche qui est prévue, des pâtes carbo et un en secours dans le congèle. Après j'ai pris du céleri rémoulade, j'adore ça mais je ne sais pas le faire maison donc du coup je l'achète. J'ai repris du taboulé parce que quand je le fais maison il n'y a pas le même goût que ça. Voilà, et je me suis pris des concombres au fromage blanc pour aller plus vite. Et dans tous les cas, tout ce que j'ai pris là, si vous voyez bien, c'est Nutri-Score A ou B. Donc j'ai envie de dire, on va pas être malade. Hein. Ensuite, j'ai repris 2 pâtes feuilletées. Donc une pour la quiche au thon et une pour la tarte au... Non, la quiche au lardon. Je vais pas me tromper, à chaque fois je me trompe. Donc la quiche au lardon et la tarte au thon. Ensuite, en dessert, j'ai repris des yaourts à boire pour les garçons. Un lot de 8 à la fraise. Pour mon mari, j'ai repris 8 desserts au caramel. Je me suis pris, même pour les garçons, des compotes pommes fraises en pot et pommes vanille. Ça, je les ai pris pour moi parce qu'à eux, je leur ai pris de l'eau de 20 compotes. Donc, en tout 40 compotes à boire. J'ai repris, là, il y avait une promo. C'était 2 achetés, 1 offert. Le troisième, il doit être dans un autre sac. Après, je leur ai repris de la mousse au chocolat. Le panachage vanille chocolat. Mon mari m'a repris, donc c'est le panaché, pardon. Un lot de yaourt aux fruits avec des morceaux. Et mes yaourts au stratratella. On a vu ton pied passer. Je continue avec ce que j'ai mis sur la table et je sortirai le reste. Mais il y a encore du frais dans un autre sac que je viens de voir. Donc j'ai repris 2 rouleaux de 100 litres. Un rouleau de 30 litres, ça c'est pour mon bureau. Du sucre en morceaux pour mon mari. J'ai repris 2 paquets de lingettes nettoyantes. Un lot de 15 étuis de 10 mouchoirs. J'ai repris du papier cuisson, ça c'est pour mon bureau. Après, je me suis pris du gel à raser peau sensible parce que à chaque fois ça me fait des allergies. Donc j'espère que celui-là c'est bon. Pour Cassie, j'ai pris du lait de toilette. Voilà. Après, j'ai repris du papier toilette parce que la dernière fois que je suis allée à Action, il n'y en avait pas. Après, j'ai repris des cotons de tige.
des rasoirs et de l'essuie-tout. J'ai rechargé un petit peu en conserve parce qu'il nous restait des choses. J'ai repris de la mayonnaise. J'ai repris deux mini boîtes d'asperges blanches. J'adore ça. Et Cyril aussi, il aime, je crois. C'est lui la dernière fois qu'il a mangé des asperges. Donc ça, et franchement, la boîte, elle est petite, mais c'est plein dedans. J'étais choquée de la quantité qu'il y avait dedans. Donc voilà. Après, j'ai repris des lentilles pour les faire en salade. Après, j'ai repris des bouchées à la reine pour faire un repas rapide avec du riz. Voilà. J'ai repris deux conserves de ravioli pour un midi et deux conserves de cannelloni, puis ça faisait longtemps. Ensuite, j'ai pris... Tu cherches quoi, le surgelé? Non, il faut que je range ça pour filmer le reste. Des cornichons en vinaigre. Je pense que c'est pas la bonne organisation que j'ai trouvée là. Il vaut mieux que je fasse les sacs au fur et à mesure. Ensuite, j'ai repris 4 boîtes de thon pour faire des pâtes au thon et la tarte au thon. Oui, je vais te les faire, les pâtes au thon. Ensuite, là, j'ai repris des capricènes. Bon, du moins, la marque Leclerc. J'ai repris 2 briques de jus de pomme, 1 brique de jus d'ananas, 2... comment on dit Powerade? Powerade? Powerade. Hop, après, j'ai repris 2 bouteilles de sirop de grenadine, parce que la dernière fois, il n'y en avait plus. Et vu que j'essaye d'arrêter le coca, je vais me mettre à un petit peu de grenadine. Après, j'ai repris de la limonade Nutri-Score B, comme ça, ça fait pas mal. Et là, j'ai pris... c'est un genre de Schweppes agrumes, je crois. Mais je me suis trompée, je l'ai pris en zéro, donc j'espère qu'il va être bon. Et parce que des fois, ça me fait mal. Ça me donne des trucs, des palpitations au cœur. Donc voilà. Et une deuxième limonade. Ensuite, les gâteaux. J'ai repris des pains au lait pour les garçons, des gaufres. J'ai repris des mini briochettes. J'ai repris 2 paquets de crêpes. Donc là, oui, j'ai rechargé un gâteau parce que j'attaque les grosses périodes de grosses commandes et j'ai pas le temps de cuisiner. Donc du coup, c'est la période. Et franchement, en période où il fait beau, le four, je l'allume de moins en moins. Après, j'ai repris 2 paquets de gâteaux au chocolat, 2 paquets de pancakes pour mon mari. Je lui ai pris 1 paquet de mini chinois. Normalement, il y en avait 2, je crois. Bon, c'est pas... Je sais pas où il est le deuxième. Des mini BN, la fusée Nadjores Terrestre, comme les garçons ils aiment. Des tablettes comme ça. 12 tartelettes à la fraise. Pour moi, j'ai pris des Kinder Cards, mais je vais me les faire cliquer par mes enfants. J'ai repris 2 lots de vin gaufrette au chocolat. Comme ça, et enroulé. Voilà. Ensuite, j'ai repris 2 paquets de pain de mie. J'ai pris 4 paquets de chips comme ça pour mon mari. Ensuite, j'ai pris des pains à hamburger pour faire les croques McDo, des hot dogs. Ça, j'ai pris des pistaches. J'ai pris 6 mini pains comme ça pour quand on va manger repas charcut. 2 baguettes, 2 lots de demi-baguettes pré-cuites pour les panini. Après, j'ai pris ça pour le repas asiatique. J'ai repris ça pour les garçons de temps en temps. Ah oui, j'ai pris ça aussi pour goûter. En fait, je voulais faire une vidéo dégustation de chips avec mon mari. Mais il fallait que je voie avec lui. Donc du coup, j'en ai déjà pris un. Parce que ça, c'est rare de le voir dans les drives. Après, j'ai repris des linguines, des penne rigaté et des serpentis. 2 paquets de 1 kg de coquillettes. Pour les garçons, j'ai repris ça de temps en temps. Pour moi, j'ai pris ça. Ah, il est là. Le deuxième paquet de mini chinois. Et ensuite, j'ai pris un lot de 8 tortillas pour faire fromage à tartiner, jambon ou saumon. Voilà, pour un repas. Donc, tout ce qu'il y a sur la table, je vous l'ai montré. Je range tout ça et je vous montre la suite. Le deuxième paquet de bœuf mariné. Ensuite, j'ai pris de la mousse de canard, deux tartes aux poireaux. Ça, elles sont super bonnes. Après, j'ai repris du jambon cru. J'ai pris des dés de jambon pour faire des salades. Des dés de poulet. J'ai pris 4 samoussas au bœuf. 2 lots de tranches de jambon épaules. Après, j'ai pris 4
paquets de saucisses pour hot dog, purée saucisse, on a prévu. Et j'en mets toujours un ou deux au congélateur pour en avoir d'avance. Deux mozzarella. Ensuite, j'ai pris le fromage à tartiner nature, du brie et de la piémontaise. Cassie pleure, j'arrive. Un paquet de tortellini. Deux paquets de petits louis. Je vais aller voir Cassie, je viens d'aller la voir, mais elle râle encore. Après, des beignets à la crevette. Du coup, un lot de 6 beignets à la crevette. J'ai pris de la truite fumée. J'ai repris du beurre à tartiner. Ouh, ça tombe. Une pizza pour faire un repas pizza chèvre lardon. Pour moi, j'ai repris des mini saucissons. Un autre paquet de lardon. De l'eau de nem au poulet pour le repas asiatique. Des tomates cerises, des bananes, des fraises, des kiwis. Donc ça, c'est pour Cassis que je vous disais. J'ai pris haricots verts des 4 mois. Potiron des 4 mois. Allez. Poireaux des 4 mois. Et le dernier, c'est carottes. Voilà. Ensuite, j'ai pris des crevettes, des carottes râpées, des émincés de poulet, 4 tranches de blanc de poulet et un deuxième paquet de truites. Voilà, je range cette partie-là et je vous montre le dernier sac. Le dernier sac, je vous montre dans le sac, ça ira plus vite. J'ai repris un lot de 4 nems au porc, le troisième paquet de Nesquik, 1 kg d'emmental râpé. Voilà. Ensuite, 4 lots de 3 briquettes de crème fraîche. Qu'il n'y avait pas d'épaisse et un lot de 24 bâtonnets de crabe surimi. Voilà, le retour de course est terminé. Le montant était de 380 euros, je crois. C'est ça, 380 ou 390. Sachant qu'il y avait 8 euros de remise dans les promos. Un repas, pour vous récapituler, il y a un repas asiatique de prévu, pizza party. Charcuterie salade frais, des pâtes à la carbo, une quiche au lardon, une tarte au thon, bouchée à la reine avec du riz, des raviolis, des cannelloni, hot dog, panini, un repas avec des la viande rouge, là, le bœuf et frites. Et voilà, et après, ben, on compose avec ce qui nous reste dans les placards. Et dans le congèle, on avait déjà, il nous restait de la viande, c'est ça. Donc j'espère que ce retour course vous aura plu. Je vous laisse liker, commenter et partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.